Salut les mecs, comment avez-vous ce bordel? Bon les gars, aujourd'hui c'est mardi, hier, tranquille, au repos, là je suis au taf tranquillement, voilà, je fais la vidéo en même temps, voilà. Ils vont me dire, ouais tu conduis, t'es un fou, machin, t'inquiète pas, j'ai mis les lunettes de soleil, je regarde devant et je regarde pas l'objectif, c'est tout. L'objectif, oui, enfin voilà, la vidéo quoi, bon bref. Bon les gars, j'espère que vous êtes bien reposés, lundi, beaucoup de repos. J'ai taffé, mais j'ai réfléchi aussi à pas mal de choses. J'avais fait une vidéo au tout début, j'ai banni les mecs qui faisaient payer des VIP. Après, j'ai fait un VIP aussi parce que on m'avait piqué mes pronos. Bon, bref, etc., etc. Je vais vous dire quelque chose. Il y a que les cons qui ne changent pas. J'ai réfléchi pas mal. Je me suis dit, je fais payer le VIP. Je culpabilise un petit peu de payer le VIP, enfin faire payer le VIP aux gars. J'ai des gens, des gonzesses, des minots, des adultes, enfin bref, voilà, sa tranche d'âge varie, etc. Donc je me suis dit, je me suis mis à la place d'un mec qui paye le VIP. J'ai jamais payé de VIP de ma vie, donc je me suis mis à la place d'un mec qui payait le VIP et je me suis dit, ouais, c'est un peu aléatoire, c'est un peu le foutoir. Dans le sens où ben, quand tu payes un mec et tu veux du stat, du résultat constamment, je dis pas que j'ai des mauvais résultats, mais le système me plaît pas. Voilà, le système me plaît pas. Je l'ai fait, ben, ça m'a permis d'acheter un logiciel de montage, même si je me suis trompé de logiciel comme un blaireau, je ne sais pas l'utiliser. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai vu un petit peu certaines vidéos, etc. Je vais remanier toute ma chaîne. Je vais passer plutôt par un système de dons, vous donner 1 euro, 2 euros, 3 centimes. Je pense que c'est même mieux. Je me sens, en le disant, même mieux dans le sens où ben, je ne demande pas un VIP. Voilà. Là, vous faites un don. Voilà. C'est Tipeee, je crois que ça s'appelle. Il faut que je voie comment ça le mettre en place ce soir et voir comment ça fonctionne, etc. etc. Donc, ça, c'est même mieux de le faire dans ce sens-là, comme ça au moins. Je me lave les mains, je culpabilise pas à dire ouais, les mecs, je demande un VIP, machin, ouais, le système PCF carte, etc. Ça m'a cassé les pieds. Bon, bref. Du coup, je trouve ça mieux et plus sain. Voilà, d'entrée de jeu, c'est ça. La vidéo, elle commence comme ça. T'as pas fort, moi. Et ça part comme ça. Après, donc, système Tipeee, voilà, vous mettez un don, 10 euros, 5. Tout ce que je vais collecter, écoutez-moi bien, les papas. Tout ce que je vais collecter, alors, ça va me permettre d'acheter les lumières. Un son plus adéquat, une petite caméra un peu mieux, enfin m'équiper. Et le reste, je vais faire des cadeaux, je vais acheter des trucs et je vais faire gagner ça, je sais pas comment. Bah, dites-le moi en vidéo, en description, en bas de la vidéo, comment je pourrais faire éventuellement, faire gagner des trucs parce que j'étais en collaboration avec les Pumas. Puma, il m'a mis une carotasse. Il m'a mis une carotasse dans le sens où j'avais pas assez de débit. En fait, pour bosser avec eux, pour avoir des cadeaux, des trucs à vous donner. Donc voilà. Donc sur ce système de dons là, je vais acheter le matos et après je filerai des cadeaux aux mecs. Voilà, je ferai gagner, j'en sais comment, des lots, des PSF cartes par exemple. Et puis je ferai un tirage au hasard comme j'avais fait là. Hop, je prends un mec et puis ben terminé quoi. Donc du coup, je partirai plus là-dessus. Pas mal. Ensuite, les pronos, voilà, parce qu'on revient quand même au nerf de la guerre, les gars. Les pronos, comment ça va se passer? Plus de VIP, les pronos, je balance tout comme ça. Je balance tout comme ça. Je mets toujours deux pronos. Bon, là, aujourd'hui, j'ai fait un petit combiné Ligue des Champions et un match en simple. Voilà, donc on va partir là-dessus aujourd'hui. Et là, je vais rentrer à la maison, blablabla, je vais faire mon délire. Je vais mettre des pronos sur Snap durant la journée, durant la journée pour ce soir. Déjà, je vais rentrer analyser, etc. Comme ça, déjà, voilà, bang. Sur Snap, vous aurez aussi, je vais alimenter le Snap, des missiles, ce que je faisais avant, des pépites, des machins, avec le pourcentage de confiance, etc. Comme ça, il y aura quand même une gestion aussi sur votre bankroll. Voilà, parce qu'il y en avait pas mal qui me posaient des questions. Ouais, comment je peux faire ci, comment je peux faire là. Donc voilà, ça sera un peu plus structuré là-dessus.
tout ça, moi tout seul, hein, les mecs. Hein. Comme ça, moi, je suis un dingue. Voilà, il y aura plus de pronos. Donc là, aujourd'hui, je mets un combiné, un match en simple. Et je mettrai peut-être un combiné, deux combinés. Je verrai, suivant les confiances. Et après, durant la journée, je mettrai plus de pronostics sur Snapchat. Ceux qui n'ont pas Snapchat, ben, ils auront pas mal de pronostics aussi sur YouTube. Ça, c'est pas un problème. J'afficherai toujours ma bankroll. Moi, là, actuellement, j'ai commencé avec 100 euros. J'en suis à 380 et quelques. Donc, on a une sacrée culbute. Donc, après, durant les semaines, forcément, tu as des mauvais stats. Donc, forcément, tu baisses un peu. Tu as un déficit de 15, 10 euros. Bon, ça dépend, ça varie. Suivant les perfs que je fais. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc plus de VIP. Les pronos, je vais en mettre pas mal. Bonne confiance forcément. Je ne vais pas foutre tout aléatoire à la Wallégan of Four. Hein. Donc on va faire un truc correct. Comme je me tâte en ce moment un peu plus avec le tennis, le rugby, j'en ai fait pendant 15 ans, donc j'ai eu un bon niveau de rugby. Là, ça va recommencer dans bientôt, donc je vais tâter un peu le rugby aussi. Voilà, je vais faire quelque chose de correct et propre. Et par contre, il n'y aura plus de VIP. Voilà. Je sais que effectivement, j'avais déjà commencé les vidéos en mettant en avant que je détestais ces mecs qui faisaient les VIP. Et moi, après, j'en ai déçu quelques-uns. Comme quoi, ben, j'ai fait mon VIP, mais j'ai pas fait le VIP dans le sens où j'avais besoin de caillasse. Non. Vu que je travaille, moi, je m'en bats les couilles. Ça va servir pour acheter mon truc, mon logiciel et tout. Mais c'est vrai que lundi, j'ai cogité pas mal. J'ai été surfer un petit peu sur le net, etc. Comment je pouvais éventuellement faire autrement. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une bonne solution. Comme ça, au moins, il n'y a plus de VIP. Il y a plus de... Le VIP, ça trie un peu les gens, je trouve. Ça manque de respect à certaines personnes aussi. Parce que bon, les mecs, faut pas se leurrer. Hein. Ouais, tu fais un VIP, nous, on est des merdes. Donc... tu fais un clan un peu high class, on est des dobs, on peut pas l'acheter, machin. Bon bref, là aujourd'hui, je vais revenir aux fondamentaux, voilà, comme j'étais. Je pense que c'est pas que j'ai pris le bouillon, c'est pas que j'ai pris la grosse tête, mais ça m'avait vraiment vexé en fait qu'on pique mes pronos. En plus que tu viennes, que les mecs viennent te critiquer, que t'es une merde, et qu'après ils te prennent tes pronos et ils t'enculent. Excusez-moi le mec, hein, je deviens un peu vulgaire, mais c'est exactement ça. Ça m'a un peu fait chier. Alors, j'ai les bons mecs qui sont restés avec moi à mes côtés, qui me suivaient depuis le départ, et que les mecs ils disaient « Ouais, mais t'inquiète pas, machin, si de suite tu fais ton VIP, fais-le, t'as bien raison, machin, nanana. » Merci les mecs, mais franchement, ouais, j'y ai pensé à... Putain, hier, je me suis cogité la tronche. Je me suis cogité à me dire « Mais comment je pourrais faire pour être un peu mieux que tout le monde et machin ?» Je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, il ne faut pas se leurrer les mecs. Hein. Faire des pronos, ça prend une journée entière. J'analyse pas un match en 5 minutes. Les mecs qui font ça, ben, tant mieux pour eux. Hein. Mais moi, perso, j'y passe au moins une demi-heure, trois quarts d'heure sur un match à éplucher vraiment toutes les stats possibles, inimaginables, les blessés. Je vais dans les sites de clubs, leur Facebook, leur Snapchat des clubs, qui est titulaire, machin, chope au maximum d'infos. Bon, des fois, voilà, ça passe pas. Hein. De toute façon, qui c'est qui passe des matchs tous les jours 100%. Trouvez-le moi, le mec. Hein. Moi, je veux bien aller le voir et lui lécher un doigt de pied. Ah non, je déconne, je ne serai pas de doigt de pied, je m'en bats les couilles, moi. Bref, donc du coup, voilà, restructuration des sites des... Pronostic Foot Bordel. Donc du coup j'ai même envie de changer le nom, papa. Je vais mettre Pronostic Foot Bordel. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant j'attends tous les commentaires possibles, inimaginables. Et je demanderai même plus de me balancer des likes et des pouces, les papas, parce que c'est ce qui fait grimper apparemment l'audimat. Et voilà, faut se mettre dans l'ambiance. Je me fous de l'ambiance. Concoctez-moi ça aux petits oignons, les papas. Je vous fais confiance. Maintenant, moi, je vais être à donf avec vous, à vous sortir des trucs d'ouf, pour toi et pour moi, bien sûr, parce que moi, forcément, ben, je tape dedans aussi, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, les gars, pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, je trouve. Je suis plutôt content et satisfait de ma réflexion. Voilà, je pense que j'ai bien réfléchi et que j'ai pesé le pour et le contre. Et je pense que
j'ai bien fait de bien réfléchir et de me mettre dans la lignée des mecs qui me suivent, donc vous les gars, de ne pas abuser forcément. Effectivement, je pense que j'en ai pas abusé, mais c'est, ça n'a pas été la bonne manière. J'aurais dû écouter un peu plus mes gars. Bon voilà, je le fais un peu tard, mais voilà, bon écoutez, maintenant on repart sur de bonnes bases les papas. Et on va taper dedans comme jamais, je vous le dis de suite. Alors les mecs là, les Kappa Prono, là, les Kepé Prono, les Kens, mes couilles, on va les démonter, je vous le dis mec. Tous ensemble, on va faire quelque chose de correct. Voilà, moi je vous le dis, voilà, je suis un peu énervé, fadaf. Voilà, casser bordel. Bon les gars, je vous fais une bise, on reste connectés. Tous ceux qui n'ont pas Snapchat, allez prendre Snapchat les mecs, ok, allez le prendre, je suis là, je vous attends, je vous balance ça en fin de vidéo les gars, les deux pronostics, le combiné et le prono en simple, et je rentre à la maison au calme, je vais vous faire un petit truc cousu, comme dirait l'autre, mettre zouyas là, cousu. Cousu humain comme il dit, et je vais analyser ça correctement, ce soir je balancerai 2-3 pronos encore. Surtout sur la Coupe de France, j'aime bien la Coupe de France, j'adore cette compète. Et puis voilà les gars, voilà. Je vous fais une bise à tous. Merci en tout cas de me suivre, le soutien il est au top. N'oubliez pas, ou tant pis, c'est pas grave, hein, je le prends quand même. Et le maximum de commentaires pour voir si effectivement ça, vous êtes satisfait du délire ou pas. Voilà, tout simplement. Une grosse bise, un bacio à tutti bordel. Et puis à plus tard les gars. Ciao les papas. Et pour ceux qui ont déjà le VIP, ah oui j'avais oublié. Ceux qui ont déjà le VIP, vous inquiétez pas les gars. Vous êtes ma préférence. À moi, bordel. Allez la bise, ciao.